Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les promotions de la semaine du 19 novembre 2020 dans GTA 5 Online. Avant de commencer la vidéo, je souhaitais vous rappeler que je suis très souvent en live sur Twitch et que je donne très souvent des astuces pour gagner de l'argent dans GTA 5 Online. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch en cliquant sur le lien en description et n'hésitez pas non plus à follow ma chaîne Twitch pour être tenu au courant dès que je suis en stream. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose dans un premier temps déjà de découvrir la voiture du podium du casino, qui sera à gagner cette semaine. Et les amateurs de voitures super sportives vont être contents, parce que cette semaine ce sera l'Overflood Autarche, qui sera la voiture du podium. C'est une très jolie super sportive qui coûte quand même 1 955 000 $, et que personnellement je ne possède pas et j'espère gagner cette semaine. Pour les promotions, on va avoir le droit à 30% de réduction sur les yachts, et également sur les améliorations et les modifications. Alors je vous rappelle que le yacht n'est pas un achat prioritaire, ça reste un achat secondaire. Une fois que vous avez tout ce que vous avez besoin dans le jeu, vous pouvez éventuellement vous permettre, si vous avez envie de vous faire plaisir, avec un yacht. Ensuite, nous avons droit à une chose qui est relativement rare dans GTA 5 Online. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Tous les bateaux sont en promotion, donc tous les bateaux du site Doctis.com, et ils sont tous à moins 30%. Ça reste intéressant si vous n'avez pas de bateau, même si, en toute franchise, c'est pas le véhicule prioritaire du jeu à posséder. Ensuite, nous allons passer au Legendary Motorsport, où vous verrez que nous n'avons pas énormément de réductions. On va retrouver la Truffat Trax, une super sportive qui nous est proposée à 1 627 500 $ au lieu de 2 325 000 $. C'est une super sportive qui est basée sur la Bugatti Divo, et que je trouve vraiment très jolie, et elle peut être très intéressante si vous souhaitez faire des courses de super sportive. Ensuite, nous retrouvons la Progen T20, une super sportive qui nous est proposée à 1 320 000 $ au lieu de 2 200 000 $. La Progen T20, c'est une super sportive qui est inspirée de la McLaren P1 et de la Ferrari LaFerrari. Ils ont mélangé les deux voitures pour en faire la T20. C'est une voiture qu'on retrouve assez souvent dans le jeu, que personnellement j'aime pas trop, sachant que de base dans GTA 5 Online, personnellement j'aime pas trop les véhicules électriques, et la T20 en est un. Ensuite, ben, nous avons déjà terminé les promotions du Legendary Motorsport. Il n'y a que deux voitures en promo cette semaine. Du coup, on va passer de suite au Sucern San Andreas Superauto.com où nous retrouverons une seule voiture en promotion qui est la Dinka Sugoi, une petite sportive qui est apparue pendant la mise à jour du casino l'année dernière. Elle nous est proposée à 550 800 $ au lieu de 918 000 $ pour le tarif spécial et à 734 400 $ au lieu d'1 224 000 $ pour le tarif normal. La Sugoi est basée sur l'Honda Civic Type R et la Subaru WRX. C'est une petite sportive que je pense m'acheter prochainement. Je vais sûrement profiter de la promotion pour me la payer. Je la trouve quand même relativement sympa. Dans les réductions intéressantes, vous allez pouvoir avoir moins 40% sur toutes les armes laser dans les boutiques Ammunition. Bon, je suis pas trop fan des armes laser dans GTA, et du coup je crois même que je n'en possède pas, enfin j'en suis pas sûr. Mais je trouve qu'elles sont des bases relativement chères, et si vous aimez bien ce genre d'armes, ça peut être intéressant pour vous d'en profiter pour vous les acheter. On en a fini avec toutes les réductions sur GTA 5 Online pour cette semaine. Maintenant on va commencer à parler des bonus d'émission. Donc les récompenses vont être triplées pour l'émission du yacht. Elles vont être également triplées pour les courses. Les récompenses seront doublées sur les modes rivalité du Diamond Casino. Elles seront également doublées sur le mode rivalité Running Back Remix. Et les récompenses seront également doublées sur les missions de contact de Gérald. Les missions de contact qui sont généralement les meilleures missions à faire quand vous débutez le jeu, surtout quand elles sont doublées comme cette semaine. Comme chaque semaine, les joueurs qui se sont connectés à GTA 5 Online et qui ont lié leur compte Rockstar Games Social Club et Twitch Prime vont recevoir 200 000 $, qui seront versés directement sur leur compte Maze Bank. 200 000 $ seront également offerts aux joueurs ayant joué au moins une fois par semaine durant les 4 dernières semaines. Et les joueurs Prime vont pouvoir également profiter des promotions suivantes. La boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, 80% de réduction sur la Nightshade et 60% de réduction sur la DR1. La DR1 étant une petite Formule 1 très très sympa que je vous recommande et qui du coup est quand même à moins 60%, donc ça fait une grosse réduction dessus pour les membres Twitch Prime. Les joueurs PlayStation 4 pourront quant à eux bénéficier de 1 000 000 $ offerts s'ils se connectent tous les mois jusqu'à la sortie de GTA 5 sur PS5. Ensuite, nous allons retrouver les courses habituelles. La course contre la montre aura lieu à El Bureau 8. La course du RC Bandito aura lieu à Vespucci Beach,
Donc c'est une course qui sera un peu technique et qui demandera un petit peu d'entraînement pour être réussie. Et enfin, la course premium aura lieu à Strawberry. Et bien voilà, j'ai fini de vous donner toutes les promotions, bonus et avantages de la semaine du 19 novembre sur GTA 5 Online. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, l'espace commentaire est là pour ça. N'hésitez pas non plus à liker et commenter la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde!